vous salue, je vous aime, je veux vous parler un moment. Il est en train de pleuvoir, je me suis dit je vais vous parler. Ceux qui sont là, je vais discuter avec vous pour vous parler de ce qu'on appelle le cycle dans une vie. Parce que la bataille sur le net, comme vous voyez, parce que les gens, certaines personnes ne comprennent pas à cause de l'ignorance. Vous n'avez pas à vous battre parce que vous voulez apparaître sur les réseaux sociaux. Faites votre numéro. Oh, bonjour mon fils. Faites votre numéro. Personne ne doit empêcher l'autre de s'exhiber sur la toile. C'est quelque chose qui est gratuit. Ceux qui vont se faire remarquer, ce sont ceux qui auront proposé des choses intéressantes. C'est pas la peine de faire la guerre. La vie est un cycle, c'est-à-dire que nos parents étaient en vie, nos grands-parents étaient en vie, ils sont décédés, nous aussi après on va céder la place aux jeunes, on va mourir et la vie va continuer. Pourquoi tant de haine? Il pleut dans ma ville et puis je me suis habillée, je vais sortir, mais je tenais à vous dire ça. Nos parents existaient, nos grands-parents, maintenant c'est nous, après ce sont nos enfants. Arrêtez la haine. Facebook est un espace gratuit. N'empêchez pas les autres de montrer ce qu'ils savent faire, pour ceux qui savent faire des choses. Arrêtez la sorcellerie. Je vous donne ce conseil parce que les gens vont finir par tomber, hein. Il faut arrêter la sorcellerie. Des personnes comme moi, on ne me fait pas la sorcellerie. Parce que je ne fricote pas avec le diable. Je ne veux pas que le diable me rende service. Ce que je fais est un don du ciel et de Dieu. Je refuse de côtoyer le diable. Ne me harcelez pas. Ne me harcelez pas. Faites vos vies. Laissez-moi faire ma vie. Je n'attends rien de quelqu'un. Moi-même, j'ai les capacités. La vie est un cycle. Tout ce que nous faisons là, les gens vont en parler parce que ça aura marqué les autres. C'est mon humour, c'est être éternel parce que mes sketchs vont vous marquer. Bot Baye Simpson, Bot Baye Simpson, Bot Baye Simpson, me ma. J'ai décidé de vous montrer ce que je sais faire parce qu'il m'a paru opportun de le faire.
Les sketchs que je vous ai montrés, c'est un don que Dieu m'a donné à travers mes parents. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Les livres que j'ai écrits, c'est une inspiration que j'ai reçue parce qu'il faut que les gens comprennent les parcours que nous avons afin qu'ils puissent tenir compte de ça et comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'était pas pour chercher les ennuis. Et ce n'était pas pour les avoir. Personne ne peut m'intimider. Vous avez observé que je suis une femme de tête. Et Wolominga, personne ne peut me piétiner. Je respecte les gens. J'aime les gens. Il faut arrêter de vous comporter comme ça. Les personnes qui vont se reconnaître. Une femme ne peut pas m'intimider. Même quand on porte la culotte ou la robe, je suis dedans. Donc ne venez pas sur la toile faire vos choses là. Oh bonjour Anatole, je t'aime. Laissez-nous montrer ce que nous savons faire. Je n'attends rien de personne. Je fais ma vie et quand mon heure aura sonné, je partirai avec fierté. Les présidents meurent, les milliardaires meurent. Et moi donc, mais je suis une femme intelligente. Une femme intelligente aussi meurt. Arrêtez les micmacs. Parce que si vous avez vu ma réaction quand vous avez fait ce que vous avez fait, je ne me suis pas laissé faire. Je vous ai montré que on ne peut pas obstruer dans ma vie. Mon nom, on ne le méprise pas. C'est pour ça que j'ai tenu à humilier chaque personne qui a fait ça. Mais je ne rigole pas avec mon nom. Je ne rigole pas avec mon nom. Mon nom est un nom noble. Si vous n'avez pas de nom dans vos familles, vous venez falsifier dans la vie des autres. Je ne suis pas avec vous. Ou bien si vous créez vos noms, avant que je ne sois Aline Zomoubem, je suis d'abord la fille d'Abel Zomoubem. C'était un monsieur important au Cameroun. Si vous êtes dans les poubelles, les enfants des fous et des folles, ou bien les enfants des vendeuses de beignets au marché, je ne suis pas dans votre registre. Vous ne me mélangez pas à la bêtise. C'est pour ça que je me suis énervée. Et vous avez vu ma réaction. Je ne rigole pas avec mon nom. Toutes les fois que mon nom va être mélangé à la bêtise, ça sera pareil. Je dis que je ne m'amuse pas avec mon nom. Les histoires des gens ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon histoire et l'histoire des personnes intelligentes. C'est là où je suis. C'est mon registre, l'intelligence. Quand vous voulez m'amener dans la connerie, la bêtise, et que je découvre qui fait ça, je suis sans pitié. Je dis que je suis sans pitié. Faut pas me mélanger avec la bêtise. Je ne suis pas avec vous. J'ai le droit de faire l'amour. Si vous faites de l'amour avec les femmes, ça ne me regarde pas. Faites vos vies. Laissez-moi là où je suis. Je ne veux pas l'argent. L'argent sale surtout. Le travail que j'ai déjà fait me suffit largement pour gagner bien ma vie et dormir en paix sur mes deux oreilles. Je ne veux rien savoir de vos vies sales. Faites vos vies, ne me mélangez pas dedans. C'est pour ça que je me suis énervée. Les gens qui m'écrivent une box pour savoir pourquoi je suis fâchée contre une artiste, c'est elle qui a commencé. Elle fait partie des gens qui ont lancé la fatwa sur moi pour me mettre... pour me tuer, parce que ce n'était même pas petit. Et alors, il fallait qu'il y ait une réaction. Bonjour Sylvie, je t'aime ma chérie. Tu es toute belle. Ma seule copine, je vous interdis de continuer dans ce registre-là. Le sabotage, ça va pour certaines personnes. Il y a les gens qui ne marchent pas avec le sabotage. Tu peux venir me faire le sabotage. Si je te découvre, je te déchiquette comme ça. Et à ma belle amie. Il va encore danser, ma copine est là, je danse.
Patrick Kakutumvondo, je t'aime. Je vais partir. Il pleut. Donc je suis en imperméable. Bordeaux ou violet, je ne sais pas. Voilà, et je vais sortir. Je tenais à vous souhaiter une belle journée. Bonjour Gisela, mon frère, je t'aime très fort. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Nous devons partager des moments de joie, pas de peine. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour ma part, aimer, c'est partager avec vous. Rendre la joie, c'est porter ma participation à votre éclosion. La vie est faite de bonheur et de malheur, mais privilégiez le bonheur. Si vous aimez les gens, vous leur apportez du bonheur. Je vous aime. Je vous souhaite une belle journée. Nous sommes ensemble. Je vais sortir. Je vous dis à bientôt. Ciao.